Présente sur le marché mondial depuis plus de 25 ans, la firme Tecnoidi e Impianti représente aujourd'hui un point de repère dans le secteur des technologies anti-pollution, dédiées à l'épuration des eaux et à la déshydratation de la boue dérivant des processus de production industrielle. L'entreprise, avec son siège à Monza, occupe avec ses deux établissements une surface totale de plus de 6000 m² d'installations productives. Traditionnellement présent dans le secteur du travail du marbre et du granit, Tecnoidi e Impianti a commencé, pendant ces dernières années, un parcours important de croissance. Ce sont surtout les petites et moyennes entreprises dédiées à ce genre d'activité qui ont aujourd'hui l'exigence de solutions adaptables aux problèmes de l'élimination de la boue produite et de la récupération de l'eau. Le secret du succès des installations Tecnoidi e Impianti est l'adaptabilité. La réponse à chaque exigence productive rend chaque réalisation Tecnoidi e Impianti unique, spécialement conçue pour satisfaire les nécessités du client. Les installations Tecnoidi e Impianti sont conçues comme de simples structures à haut rendement et avec une gestion facile. Le volume de la boue produite par l'installation, l'analyse de la composition de l'eau chargée et en général les habitudes de production du client sont les variables sur lesquelles se basent les ingénieurs Tecnoidi e Impianti pour commencer à dessiner un système d'épuration. Le système est conçu pour que l'eau sale soit prélevée du puits collecteur et convoyée vers l'épurateur. En même temps, une substance flocculante, atoxique et biologiquement décomposable est ajoutée à l'eau. En suivant les images, on peut observer le processus de flocculation reproduit dans les laboratoires Tecnoidi e Impianti. Le même processus a lieu à l'intérieur de l'épurateur installé. Pendant que la partie solide se dépose sur le fond conique de l'épurateur par la force de gravité, la boue concentrée est convoyée vers un filtre presse pour la phase suivante de déshydratation. Le reste de l'eau, absolument épurée, déborde de l'épurateur pour être acheminé vers le réservoir de stockage et ensuite pour être réutilisé dans l'installation. Un soin particulier est réservé par les ingénieurs Tecnoidi e Impianti à l'utilisation de pompes particulièrement robustes et fiables. Pour ce matériel, le choix est tombé sur Abrapompe, une firme qui a su répondre aux exigences de Tecnoidi e Impianti grâce à une gamme dédiée de pompes centrifuges avec revêtement en caoutchouc anti-abrasif de haute qualité et facile à entretenir. Un robuste châssis garantit à la machine une solidité sans égale, grâce aussi à un traitement particulier anticorrosif qui prévoit un cycle de sablage à vif sur le métal, l'application d'une couche de zinc et enfin un processus de peinture. Même pendant le stade de la charpenterie, on effectue un test de bon fonctionnement du plateau mobile et du cylindre hydraulique. Les différents composants de la machine sont montés après un traitement anti-corrosion du châssis.
on effectue différents tests sur la boue obtenue à travers l'épuration de l'eau dans un laboratoire d'analyse interne. Ceci permet de repérer les meilleurs paramètres de filtrage, obtenant ainsi en laboratoire un cylindre de boue parfaitement déshydraté. Sur l'installation, à la fin du cycle de filtrage, les panneaux de boue désormais déshydratés tombent dans un dépôt qui se situe au-dessous du filtre presse. Un filtrage correct permet d'atteindre d'importants résultats. Selon le type de matériel introduit, un mètre cube de boue réduit son propre contenu en eau de 75-90% après le traitement. Le matériel, désormais sec, est prêt pour être recueilli pour le transport, pour la vente ou pour l'éventuelle élimination en décharge. La qualité totale est un concept poursuivi avec beaucoup de soin de la part de Tecnoidea Impianti. Le service client est un engagement quotidien qui, pour Tecnoidea Impianti, se traduit en service précis et ponctuel et qui signifie consultation pour le client dans le secteur d'activité de l'écologie et de l'environnement. Les substances utilisées pour la flocculation, par exemple, sont des polymères totalement atoxiques et biologiquement décomposables. La protection de l'environnement est l'une des priorités non seulement des pays les plus développés, mais aussi de ceux où il n'y a pas eu une véritable politique de sauvegarde du territoire. C'est vers cette direction que Tecnoidea Impianti se porte, se mettant en première ligne parmi les entreprises de son propre secteur. Sa présence dans les principaux événements et sa gestion intelligente des moyens de communication des plus modernes font que Tecnoidea Impianti peut se comparer à celui qui a su construire un modèle d'entreprise au service de l'écologie et de l'environnement. Nouveau point de repère dans le cadre des entreprises du secteur.